Donc là, on est sur un site en plein centre-ville, donc qu'on doit aménager, habiliter pour recevoir les artistes, le public, dans les meilleures conditions et d'accueil et de sécurité. Et au fur et à mesure, chaque jour, il y a des structures qui arrivent, qui se placent. Donc on commence par la grosse structure qui est la scène payante, le gros chapiteau, qui est un chapiteau qui fait 20 par 55 mètres. Après, on a une scène gratuite qui est sur l'esplanade de l'autre côté. Et après, on aménage tout le tour par des petites pagodes, du bar, un espace partenaire. L'atout, c'est qu'on est sur quand même une belle programmation de jazz pour Albertville et puis même pour la région quand même, avec des vraies têtes d'affiche internationales, nationales, etc. Donc quand on compare par rapport aux autres festivals jazz à Vienne, d'autres festivals de jazz à Antibes, etc., on est quand même une très très belle programmation par rapport à la jauge et par rapport à la ville d'Albertville, donc des artistes de renom, de qualité. Une programmation ouverte avec des têtes d'affiche dans un cadre convivial, familial, en plein centre-ville de cette belle cité d'Albertville.